Je n'ai aucun droit sur la musique. Soyez bénis, connectez-vous, partagez. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Partagez, partagez. Alléluia. Marabro kosha katarabra kotolobo shekeraba. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. J'aimerais qu'une personne prie avec moi chez lui à la maison pour commencer ce direct. Prie avec moi. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Commence déjà à demander au Seigneur ce que tu veux. Commence à lui dire d'intervenir en ta faveur. Commence à lui dire ce que tu souhaites, ce que tu veux. Commence déjà à parler au Seigneur. Dis-lui quelque chose, demande-lui quelque chose, dispose ton cœur. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. Nous n'avons aucun droit de musique sur la musique qui passe. Ce ne sont que des musiques religieuses pour la prière. Alléluia. Dis quelque chose au Seigneur.
Dis-lui quelque chose. Dis-lui, décharge-moi ce soir, Seigneur. Dis-lui, décharge-moi, décharge-moi. Dis-lui, Seigneur, je veux une parole. Je veux quelque chose ce soir. Dis, décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi, Seigneur. Magnifique. Décharge-moi, Seigneur. Magnifique présence. Dis-lui, décharge-moi, Seigneur. J'ai besoin d'une réponse. Dis-lui, j'ai besoin d'une réponse ce soir. Dis-lui, j'ai besoin d'une réponse. Dis, Saint-Esprit, je suis là. J'ai besoin d'une réponse. Magnifique. Il est magnifique. C'est Karaba, Rabara. Dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dispose-toi. 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 Parle au Seigneur. Dispose-toi. 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 Dispose ton cœur, dispose-toi. Commence à demander quelque chose au Seigneur. Commence à lui demander quelque chose qui te tient à cœur. Commence à lui demander ce que tu voudrais. Demande-lui le miracle que tu veux voir dans ta vie. Demande-lui la solution que tu veux dans ta vie. Oh, alléluia. Demande au Seigneur ce que tu souhaites. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Chakamarabra kotolobobo shakarabaya. Inemalabro ko shakarabra kotolobo shikibiligo. Shamadose ke rabasabam. Ekorobobo sharababam. Remamashe ke rokumuroko shikibiligo. Rabababababababa, dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, c'est le moment de te décharger. C'est le moment de lui demander quelque chose. C'est le moment de lui demander quelque chose. Demande-lui ce que tu veux voir. Demande-lui le miracle que tu veux voir réalisé dans ta vie. Demande-lui la solution que tu veux voir accomplir dans ta vie. Demande au Seigneur quelque chose de particulier ce soir. Magnifique. 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 Oh Rababasa Katalabashe. Demande-lui quelque chose de particulier ce soir. Demande-lui quelque chose. Demande-lui quelque chose. Demande-lui quelque chose. Parle au Seigneur comme s'il était devant toi. Parle-lui comme s'il était à côté de toi. Parle-lui comme s'il était dans ta chambre, dans ton salon, dans le lieu où tu te trouves. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta réponse, Seigneur. J'ai besoin de l'exaucement. Alléluia. Magnifique. Marabro kosha karabra. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, chers bien-aimés, ce soir. Nous allons commencer notre direct. Avant toute chose, je vais quand même donner quelques annonces. Ceux qui aimeraient contacter le bishop pour un moment d'orientation, de prière, vous pouvez contacter mon secrétariat au 0033 ou au plus 0033 6 24 aidez-moi à écrire, je vais écrire. C'est compliqué, hein? Compliqué quand il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je reprends. Je suis en train d'écrire. Hein. Secrétariat, c'est le 0033
624-08-56-89. Voilà, ça c'est le secrétariat. Donc ceux qui veulent une orientation, une direction, un moment de prière, contactez le secrétariat. Visitez aussi notre site qui est www.myriadefrancecollet. Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Point, voilà, France.fr. Voilà. Tous ces renseignements sont sur déjà notre page Facebook. Ce soir, je vais partager un petit moment avec vous. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long ce soir. J'ai de la visite. Donc, la personne va rentrer demain. Donc, je vais lui accorder quand même un petit temps. Donc, je ne vais pas être long ce soir. Je vais simplement vous demander de préparer votre Bible. Voilà, préparez votre Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 4. Préparez votre Bible dans Marc chapitre 4. Veuillez partager le direct, veuillez mettre les cœurs. Vous savez, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un moment silencieux sans faire de direct. Parce que s'il y a des personnes qui suivent mes directs, qui ne peuvent pas partager les directs, ça veut dire qu'ils sont vraiment rassasiés des directs. Ils ont déjà consommé beaucoup. Donc, quand des gens ont beaucoup consommé, on ne va pas les faire faire l'overdose. Donc, je vais me reposer un peu avec les directs. Parce que s'il faut que je m'asseye ici là pour crier, pour chanter, partager les directs, mettre les cœurs, ce n'est pas mon objectif. Normalement, quelqu'un qui vient sur un direct de prière comme ça doit être censé de savoir que c'est son devoir de partager, c'est son devoir d'inviter, c'est son devoir de mettre les cœurs. Donc, c'est pas à moi de répéter ça. Voilà, je pense que quand c'est des buzz ou d'autres choses politiques ou quoi que ce soit, les gens viennent partager sans qu'on les dise de partager. Alors, si vous êtes là pour la prière, que vous croyez que Dieu doit faire quelque chose pour vous, partagez le direct. Alors, donc, je vais vous dire sincèrement, je vous ai déjà donné le numéro de la secrétaire. Après ce direct, je prends une pause parce que moi-même, j'ai ma retraite spirituelle que je prépare. Et s'il vous plaît, ceux qui croient qu'ils ont bénéficié de l'onction de l'homme de Dieu, qui croient à cet homme de Dieu, vous pouvez aussi contacter la secrétaire pour vos offrandes, pour vos actions de grâce, parce qu'il ne s'agit pas de toujours recevoir, 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 sans aussi pouvoir donner. Donc, ce soir, je fais ce direct pour le début de cette semaine, et puis je crois que je vais me poser un peu. Parce que si je regarde les directs après, les partages après, ça sera 16 partages, 10 partages. 16 partages, 10 partages, 15 partages. Donc voilà, on ne va pas avancer avec ça. Donc, on va vous laisser vous reposer un peu. Quand vous aurez vraiment, vraiment, vraiment besoin de l'homme de Dieu, il sera pour vous et vous allez pouvoir bien partager les directs. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme le direct de ce soir est lancé, on va aller directement droit au but. On va écouter un message. On va prier. On va arrêter le direct. Le moment prophétique même, on va le mettre un peu de côté ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 4, ça commence. Tout le monde, tu regardes ça, hey. Tu vas voir. Marc chapitre 4. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule et l'amenait dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dit, il dormait à poupe sur le coussin
Ils le réveillèrent et ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dieu vous bénisse. Nous allons avoir un petit moment de partage. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être long. De toute façon, vous ne partagez pas les directs. Donc, je vais faire ma part. Je vais faire ma part et puis on va continuer. Alors, n'oubliez pas pour l'action prophétique de l'objet, la pièce d'or, l'objet en or et le miel. C'est une action prophétique pour la percée. Il y a certaines personnes qui se sont déjà inscrites auprès de la secrétaire. Je vais attendre fin de la semaine qui arrive et je vais appeler les personnes qui sont inscrites pour les expliquer qu'est-ce qu'elles doivent faire. Voilà. Bien-aimés, voici un passage que nous venons de lire ce soir. Ce soir, on va faire comme étude biblique, hein, parce que je voulais passer un moment prophétique, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop chaud. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de like, donc on va faire étude biblique pour ceux qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Voici un passage dans lequel on nous apprend que Jésus, après avoir enseigné quelque part, va monter dans une barque avec ses disciples. Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Et la Bible dit qu'il a pris un coussin, un oreiller, et il s'est mis à dormir. Et pendant que Jésus dormait, il a eu un tourbillon, il y a eu un vent. Et les disciples avaient peur. Ils avaient peur parce que le vent les inquiétait. Ils croyaient qu'ils allaient, comme on appelle, chavirer. Ils croyaient qu'ils allaient avoir des problèmes dans cette eau-là. Mais pendant ce temps, Jésus dormait. Et à un certain moment, ils l'ont réveillé. Et ils lui ont dit, mais tu t'inquiètes pas de ce que nous allons mourir. Et Jésus, sans leur répondre à eux, va s'arrêter et dit au vent, silence. Et le vent va se calmer. Il eut un calme absolu. Et la Bible dit que les disciples ont été tellement touchés qu'ils ont eu peur. Ils ont commencé à se dire, quel est cet homme ? À qui le vent obéit, à qui la tempête obéit. Ok, je vais aller droit au but. Comme je l'ai dit, on va aller vite, je ne vais pas tourner, je vais aller droit au but. Il arrive souvent que, même après avoir accepté le Seigneur dans notre vie, il arrive souvent que même après avoir reçu le baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu le Seigneur, après avoir vécu des expériences avec le Seigneur, nous avons dit, oh, j'ai la foi, je suis avec le Seigneur, tout va bien. Mais lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une nouvelle qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on entend, la plupart du temps, on a l'impression que la foi disparaît. On a l'impression que nous oublions que nous venons de dire, il n'y a pas longtemps, que nous avons confiance en Dieu. On a l'impression que nous oublions que nous avons fait une confession de foi pour notre baptême. Nous oublions que nous avons l'habitude de dire, avant cette situation, que Dieu est capable et que Dieu peut tout faire pour nous. Il suffit parfois d'un petit problème. Il suffit parfois d'un petit incident. Il suffit parfois d'une petite situation, notre foi va chavirer. La Bible dit que Jésus était dans la barque. La barque représente notre vie.
La barque représente ta vie. La barque représente ma vie. Mais comment est-ce que le Seigneur peut être dans ma vie et je vais avoir peur? Parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a une épreuve, parce qu'il y a une difficulté. Parce qu'il y a une nouvelle que je viens d'apprendre. Combien d'enfants de Dieu ont tremblé devant une situation? Combien de personnes même vont à l'église, mais qui ont encore peur des sorciers? Dans mon village, d'après certaines personnes, oh, il y a trop de sorciers. Je ne vais pas au village. Si je vais au village, j'ai peur des sorciers. Dans mon village, il y a trop de sorciers. Ils vont me manger. Ils vont me tuer. Oh, je ne vais pas au village. Moi, je ne vais pas au village. Pourtant, ces personnes de foi qui parlent comme ça se disent croyants, se disent chrétiens, disent qu'ils ont accepté Dieu. Ils parlent en langue. Ils chantent en langue. D'autres même prophétisent. D'autres sont dans le groupe musical. C'est des personnes qui prétendent croire en Dieu. Chaque dimanche, elles sont à l'église. Mais elles ont encore peur du sorcier. Elles ont encore peur du marabout, du charlatan, du féticheur. Il y a des situations qui vont arriver, tu ne peux pas les reconnaître. Combien de personnes tremblent? Elles vont voir un médecin aujourd'hui, on leur fait un diagnostic. Oh, ben, on croit que là, tu dois avoir telle maladie. Elles ne rentrent même pas chez elles pour dire, Seigneur, il paraît que j'ai cette maladie. Mais moi, je ne crois pas que j'ai cette maladie. Et si jamais j'avais cette maladie, je crois que ton pouvoir peut enlever cette maladie de mon corps. Ces personnes se mettent à trembler. Oh, je vais mourir. On m'a dit que j'ai cette maladie, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Il paraît que j'ai cette maladie, je vais mourir. Frères et sœurs, Jésus était dans la barque. Il était assis dans la barque. Ça veut dire que si la barque devrait couler, lui aussi il allait couler. Vous comprenez un peu? Mais malgré qu'il venait de faire des miracles, les disciples ont vu les miracles. Malgré qu'il venait de chasser les démons, les disciples ont vu chasser les démons. Malgré qu'il venait de prêcher, les disciples ont vu qu'il a prêché. Jésus était dans la barque. Ils ont oublié que Jésus était dans la barque. Ils ont commencé à trembler devant la tempête, devant le vent, devant le tourbillon. La barque, c'est notre vie. Lorsque Dieu est dans ta vie, frère, on ne dit pas que les épreuves ne vont pas arriver. On ne dit pas que les difficultés ne vont pas se présenter. On ne dit pas que les tempêtes ne peuvent pas s'élever. On ne dit pas que des situations difficiles ne vont pas se présenter. Lorsque Dieu est avec toi, lorsque Dieu est dans ta barque, quelle que soit l'épreuve qui va se présenter, tu dois dire, je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais que la main de Dieu est avec moi. Je vais inciter ce soir la foi de quelqu'un. J'ai dit, on va faire comme une petite étude biblique ce soir. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je voulais accompagner de ce moment d'un moment prophétique, d'un moment d'action prophétique. Mais vu la température du direct, je ne suis pas prêt à avancer dans le prophétique. Donc, on va se concentrer sur la parole pour aider une personne. Voilà. Quelle est la nouvelle que tu as entendue qui te fait trembler actuellement? Quelle est la situation qui s'est présentée devant toi qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Celui que tu sers, celui que tu adores, celui que tu honores est capable de tout. Il peut tout accomplir, il peut tout réaliser. Il est capable de tout, tu m'entends? Il est capable de tout. Tu ne peux pas accepter Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Dieu et avoir peur des ténèbres, avoir peur des œuvres du diable, avoir peur des épreuves, avoir peur des difficultés. Toi, tu dois les affronter. Va me lire ta Bible, s'il te plaît. Dis-moi qui a accepté Dieu et qui n'a pas vécu d'épreuves. Adam et Ève ont vécu des épreuves. Noé a vécu des épreuves. Abraham a vécu des épreuves. Tous les fils d'Abraham.
Isaac a vécu des épreuves. Jacob, Israël, il a vécu des épreuves. Joseph a vécu des épreuves. Moïse a vécu des épreuves. Josué a vécu des épreuves. Aaron a vécu des épreuves. Élie a vécu des épreuves. Élisée a vécu des épreuves. Ézéchiel a vécu des épreuves. Daniel a vécu des épreuves. Shadrach, Meshach, Abednego ont vécu des épreuves. On peut continuer? Dis-moi qui n'a pas vécu d'épreuves. Gédéon a vécu des épreuves. Qui n'a pas vécu d'épreuves? Esther a vécu des épreuves. Donne-moi un nom. Naomi a vécu des épreuves. Va me trouver un nom. Va me trouver un nom de quelqu'un dont tu vas parler dans la Bible qui n'a pas vécu d'épreuves. Ils ont tous vécu des épreuves. Il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu des épreuves. Marie a vécu des épreuves. Marie a vécu des épreuves. Joseph a vécu des épreuves. Élisabeth a vécu des épreuves. Jean-Baptiste a vécu des épreuves. Jésus a vécu des épreuves lui-même. Les disciples de Jésus ont vécu des épreuves. Donne-moi une personne dans la Bible qui a même la puissance de Dieu. Donne-moi une personne dans la Bible à qui Dieu a parlé. David a vécu des épreuves. Alors que le Seigneur disait que David était l'homme selon son cœur. Comment quelqu'un peut être selon le cœur de Dieu et puis vivre en même temps des épreuves? David a vécu des épreuves. Montre-moi une personne dans la Bible qui n'a pas vécu d'épreuves. Tous ont vécu des épreuves. Ont-ils renié le Seigneur à cause de leurs épreuves? Ont-ils abandonné la foi à cause de leurs épreuves? Ont-ils abandonné la prière à cause de leurs épreuves? Ont-ils rejeté la gloire de Dieu dans leur vie à cause des épreuves? Je viens parler à une personne aujourd'hui. La tempête peut se lever. Le vent peut s'élever. Les épreuves peuvent se présenter. Épreuves financières, épreuves matérielles, épreuves sentimentales, épreuves entre avec des amis, épreuves spirituelles, épreuves physiques, épreuves concernant la santé, quelle que soit l'épreuve qui va se présenter. Il faut qu'à chaque fois, tu te rappelles que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul. Que dans ta barque, dans ta vie, il y a le Tout-Puissant qui est là. Et qu'il est capable de tout accomplir dans ta vie. Je veux reconforter une personne aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être orphelin de père, orphelin de mère. Tu peux être la personne la plus délaissée. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Certes, tu ne le vois pas. Il est invisible. Mais il est au-dessus de tout. Et il peut tout accomplir. Aucune épreuve, aucune difficulté ne doit te faire chavirer. Ne doit te faire reculer. Au contraire, l'épreuve doit te donner la force d'avancer. Lorsque Jésus s'est levé dans la barque, il a dit « silence ». Et la Bible déclare que le vent s'est tu. Souvent, le Seigneur te regarde vivre les épreuves. Souvent, il te regarde vivre les difficultés. Pas parce qu'il ne te voit pas. Pas parce qu'il ne va pas t'aider. Mais il te laisse manifester ta foi. Il te laisse pour voir comment tu vas réagir. Les disciples ont commencé à se plaindre. Et lorsque le Seigneur s'est levé, il a calmé la tempête. Il calmera toujours la tempête pour toi. Il suffit d'un seul mot, la tempête se calme. Il suffit d'un seul geste, la tempête se calme. Il suffit d'un seul mot, la difficulté qui te fatiguait se calme. Fais confiance en ce Dieu. «
La vie n'est pas facile. Actuellement, où on parle, il y a des personnes qui sont en train de se demander comment gérer des problèmes financiers. À ce moment où on parle, il y a des personnes qui sont en train de se demander comment gérer des crédits, comment gérer des problèmes de santé, comment gérer des problèmes de couple, comment gérer des problèmes d'enfantement, de stérilité, comment gérer des problèmes de voyage. Chacun peut avoir quelque chose, une preuve qui est devant lui qui le fatigue. Si ce n'est pas l'argent, ça peut être dans le couple. Si ce n'est pas dans le couple, ça peut être dans la famille. Si ce n'est pas dans la famille, ça peut être la santé. Si ce n'est pas la santé, ça peut être des persécutions. Si ce n'est pas des persécutions, ça peut être que la personne est victime de jalousie ou d'autres choses. Chacun a quelque chose. Chacun a une preuve. Chacun a quelque chose qui est devant lui qui veut le frayer, comme la tempête. Mais tu dois faire confiance en ton Seigneur. Tu dois faire confiance au Seigneur. Avant de trembler, invoque le Seigneur. Avant de trembler ou au lieu de trembler, dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Malgré ce qui est en train de se passer, je sais que tu m'accorderas la délivrance, la solution, la restauration. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur va changer sa destinée? Est-ce que cette personne peut me dire amen? Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un ce soir que la tempête qui est dans sa vie va s'apaiser? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, est-ce que je peux fortifier quelqu'un ce soir et lui dire que les épreuves qui se présentent, les épreuves qui insistent dans sa vie vont s'arrêter? Parce que le Seigneur est dans ta barque. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est dans ta vie. Parce que le Seigneur est dans ta maison. Tu n'as certainement pas besoin des normes pour t'aider. Car Dieu lui-même a déjà la solution. Le temps que tu es en train de prendre pour attendre qu'un homme vienne t'aider est souvent une perte de temps. Prends ce temps pour adorer le Seigneur. Prends ce temps pour glorifier le Seigneur. Car il trouvera la solution pour toi. Je vais prier pour toi ce soir. Que toutes les tempêtes qui sont sur ta vie, dans ta vie, soient ébranlées. Je vais prier pour toi ce soir. Que toute épreuve qui se présente devant toi soit ébranlée. Je vais prier pour toi ce soir. Que tous les ennemis de ta destinée, qui deviennent des épreuves et des tempêtes pour toi, soient ébranlés au nom de Yeshua, Mashiach. Je prie que toutes les tempêtes autour de toi fassent silence. Que les épreuves qui t'assaillent fassent silence. Et que la main puissante de Dieu te fraye un nouveau chemin. Je prie qu'en ce jour, le Seigneur commence quelque chose de bon, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux dans ta vie. Je veux prophétiser que ta destinée prenne une autre ampleur. Si tu étais endetté, que le Seigneur te donne la solution de sortir de ces dettes. Si tu avais des projets que tu n'arrives pas à réaliser, que le Seigneur t'aide à les réaliser maintenant. Si tu étais bloqué quelque part, que le Seigneur maintenant débloque la situation. Si la chance avait disparu de ta vie, je rappelle la chance, je rappelle la grâce dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que la main du Seigneur soit sur toi. Je prie au nom de Jésus. Que aucune tempête ne te branle. Que partout tu t'es attaché, des mains, des pieds, de tout endroit, que le feu foudroyant du Seigneur vienne ébranler tout ce qui te retenait pour réussir dans ta vie. La tempête voulait empêcher les disciples de traverser. Mais lorsque Jésus a dit silence, la tempête a fermé sa bouche.
Tout ce qui veut t'empêcher d'avancer, tout ce qui veut t'empêcher de réussir, tout ce qui veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée de gloire, je décide, je déclare au nom de Yeshua Mashiach que, quelle que soit la chose, elle fait silence maintenant. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas un sorcier. Il n'y a pas un marabout. Il n'y a pas un féticheur. Il n'y a pas un mystique. Il n'y a pas un fétiche. Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas une maladie. Il n'y a pas un blocage. Il n'y a pas un ennemi ou des ennemis. Il n'y a pas une situation qui peut résister à la gloire de mon Dieu, qui peut résister au pouvoir du Dieu que je t'annonce, qui peut résister à la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare que parce que tu es en train d'écouter cette parole, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu fortifie ta vie. La main de Dieu fortifie ta destinée. Et maintenant, c'est silence total autour de toi. Aucune preuve ne pourra résister dans ta vie. Dans le nom de Yeshua Mashiach, que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le Saint-Esprit te fortifie. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen pour recevoir? Marabro Kusharabra. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen pour recevoir? Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen pour recevoir? Considère que ton moment de délivrance est arrivé. Considère que ton moment de restauration est arrivé. Considère que ton moment de grâce est arrivé. Dis avec moi, Jésus. Je reçois ta parole et je considère que toute tempête dans ma vie fait silence. Toute épreuve dans ma vie fait silence. Toute difficulté dans ma vie fait silence. Toute maladie dans ma vie fait silence. Toute attaque dans ma vie fait silence. Dis Jésus. Ta main est levée contre toute épreuve de ma destinée, contre toute attaque de ma destinée. Dis, je confesse que la main de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Dis, je confesse que la main de Dieu est sur ma vie. Oh Marabra. Dis, je confesse que la main de Dieu me soutient. Je confesse que je suis victorieux. Je confesse que j'ai la victoire. Je confesse que j'ai mon miracle. Je confesse que j'ai ma solution. Dis, je confesse que mon temps de grâce est arrivé. Répète après moi. Mes ennemis fermeront leur bouche. Mes adversaires fermeront leur bouche. Mes épreuves disparaîtront. Mes difficultés prennent la fuite. Répète après moi. J'ai la victoire. Répète après moi. J'ai la victoire. Répète après moi. J'ai la victoire. Dis Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, dis avec moi Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit, c'est le moment. Dis Saint-Esprit, c'est le moment. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur soit élevé, qu'il soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que tout ce que vous avez reçu ce soir soit scellé.
dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire du Seigneur vous accompagne en toutes choses et que tout ce que vous demandez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, la page est toujours en restreint. J'ai vérifié aujourd'hui, il reste encore 9 jours. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis en restreint. Mais la page est toujours en restreint. Ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à partager. Ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à liker. Ce qui fait aussi qu'il y a des gens qui ne voient pas la notification des directs. C'est quand les directs sont finis, quelques heures après, un jour après ou deux jours après, que certaines personnes voient qu'il y a eu un direct. Ce qui fait que ça diminue le nombre de vues. Mais ce n'est pas le nombre de vues qui est important. Vous qui êtes là, qui recevez la parole, partagez-la à vos frères et sœurs. À partir du moment où vous êtes bénis, partagez d'autres personnes, à d'autres personnes. Le Seigneur lui-même connaît le nombre de personnes qu'il voudrait que cette parole, à qui cette parole doit faire du bien. Donc partagez, partagez, que Dieu vous bénisse. Même si la page en restreint, même si on ne peut pas avoir beaucoup de vues parce qu'on est attaqué, c'est normal, ce n'est pas grave. Ce n'est pas nous qui avons créé Facebook, on en profite simplement pour apporter la parole. Donc ce qui se passe, ce n'est pas grave. Deux valent mieux qu'un, voilà. Donc continuez de partager dans vos groupes. Alors je répète qu'on fait une action prophétique d'ouverture, de prospérité, de richesse, d'avancement. Alors l'élément de cette action prophétique, c'est un objet d'or et le miel. Si vous avez ça chez vous, vous contactez le secrétariat. Vous contactez le secrétariat au 06 24 08 56 89. Vous vous inscrivez, je dois vous donner les consignes, comment utiliser, comment faire l'action prophétique. Préparez aussi une offrande. On ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. D'ailleurs, je profite de ce direct pour bénir la vie de tous ceux qui soutiennent mon ministère, tous ceux qui me bénissent, tous ceux qui pensent à l'avancement de l'œuvre que je fais, que le Seigneur multiplie sa grâce dans votre vie. Pour vous qui ne l'avez pas encore fait, voilà, vous devez vous réveiller. Voilà, tout est possible. Western Union, MoneyGram, RIA, PayPal, virement bancaire, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu, faites-le. Donc que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce soit sur vous et que les bénédictions ne cessent d'agir en votre faveur. N'oubliez pas de visiter le site qui est www.myriadfrance.net. Myriad, M-I-R-I-A-D, France.net. Ok. Notre chaîne YouTube a le même nom que la page officielle Facebook. Donc, vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui veulent que je les soutienne dans la prière, ceux qui veulent une orientation, ceux qui veulent parler avec moi pour m'expliquer quelque chose, contactez le secrétariat et puis elle va vous donner un rendez-vous sur WhatsApp. Je vais vous recevoir, je vais parler avec vous, je vais prier avec vous. Vous avez déjà le numéro de la secrétaire, je répète une fois encore, c'est le 06 24 08 56 89. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais devoir arrêter ce direct ce soir. On ne va pas avancer dans le domaine prophétique, ça va nous prendre trop de temps. On va finir vers 22h parce que j'ai de la visite et la personne rentre demain. Donc moi, je vais quand même prendre du temps à parler avec mon invité. Voilà. Et puis de toute façon, vu le nombre auquel nous sommes, souvent il faut se reposer. C'est notre premier direct du début de la semaine. Donc dans la semaine, on fera d'autres directs. Voilà. Je ne vais pas arrêter de faire des directs pour vous bénir. On fera d'autres directs où on va rentrer profondément dans le prophétique. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Si vous avez votre miel et votre objet d'or, contactez la secrétaire. Si vous avez seulement que du miel aussi, vous pouvez la contacter. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye. Shalom, soyez bénis.
Je regarde un peu le nom de ceux qui étaient connectés. Soso, sois béni. Soyez béni. Soyez béni, soyez béni. Yasmina, comment tu vas? Sois béni. Sois béni, mon frère Fofana. Soyez tous bénis. Soyez béni, soyez béni. Je regarde un peu le nom. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous. Je regarde un peu le nom de tous ceux qui étaient connectés. Soyez béni, Mohamed Sila. Soyez béni. Voilà. Allez, bye bye. Que la grâce soit sur vous. Shalom. Au revoir.